Moi qui croyais la bataille des francs dépassée. Ah ouais. Moi qui pensais que l'âge nous éloignerait du Moyen-Âge, où sa majesté pour quelques louis d'or rêvait en douce d'un nouveau château fort. Tranquille comme un chevalier pendant les croisades, il demanderait une paille au cafetière pour sa limonade. Yeah! Ah Dieu, quel idéal, l'air politico animal, au nom de son instinct et en lutte pour sa survie. Attaquer le voisin avant que l'autre le fasse aussi. Comme un shérif en plein dans un cartoon, juste après une mousse tranquille au fond du saloon. Yeah! Moi qui imaginais que en dehors de tout ça, mais quelle furie s'est embrasée, militaire brandissant sa croix, toute une armée bénie par le Seigneur. Ça vous libère un peuple opprimé en moins d'un quart d'heure. Comme un scud sponsorisé par une église qui enverrait ses prières pendant que le général vise. Yeah, à moi qui attendais les grandes prouesses technologiques, les frappes chirurgicales, les infirmières en balistique, c'est qu'il va falloir être tête en l'air. Ses propres hélicoptères, comme un bidas qui se prendrait pour Stallone et qui se prendrait en public la tête un peu dans tous les pylônes. Yeah! À moi qui attendais avec impatience leur dernier scénario, le popcorn de l'année, un mélange Robocop et Rambo, avec bien sûr un petit brin d'exotisme. Une épidémie en blanc patriotisme. Mais il paraît que Hollywood s'est fait doubler. Leur président leur a déjà piqué l'idée. Comme une blague qui ferait le tour du monde, on la raconte à ses enfants et on l'emporte sur sa tombe.